Histoire de la ville des agrumes de la Guinée-Kindia. Kindi Camara est le fils de Manga Sulemana Camara, fondateur de Sulemania dans Farana. À l'âge adulte, après avoir consulté ses fétiches, il a été conseillé par ces derniers de prendre la direction de l'ouest et de s'installer là où il retrouvera sa flèche magique après l'avoir lancée. Il demanda permission à son père qui n'a trouvé aucune objection. Le Djalonke commença son aventure en compagnie de ses jeunes frères Dadji Camara, Frigi Camara, Dagba Camara. Ses cousines Sama Wonde Souma et Sama Saan Souma, son oncle maternel Dagisila. Le Galimangé Manga Kindi Camara s'était installé à Barenfori avec sa troupe. Au cours de la chasse, il aurait poursuivi une antilope qu'il a blessée avec sa flèche. L'animal blessé et épuisé vient se coucher auprès d'une termitière. Manga Kindi aurait suivi les traces de sang de l'animal qu'il retrouverait dans sa cachette. Il commencerait à égorger l'animal. Sous cette termitière se trouvait une petite chute, S-O-R-O-N-D-O dans le quartier T-A-F-O-R-Y. Soudain il observerait la termitière au sommet de laquelle il retrouverait sa flèche magique qu'il aurait lancée lorsqu'il était sur le mont Gangan. Le Djalonke s'est rappelé de la parole de ses fétiches, le lieu où il doit fonder sa ville. Il serait content et danserait la danse Djalonke, Mata Tidena, d'où la création de la ville de Kindia, chez Kindi, actuel Kindia. Source : Je suis Kindiaka.